Salut à tous, bienvenue pour ce DVD 100% silure, DVD Fox Rage 4. Donc là, je me trouve actuellement sur l'autoroute en direction du sud pour aller pêcher le Rhône en dérive en bateau. Et nous irons ensuite sur la Loire, grand fleuve. Donc là, je me dirige vers la mise à l'eau où nous attend notre consultant Billy pour une petite pêche en bateau en dérive. A tout de suite. Donc là, on est parti pour une petite après-midi de pêche en dérive, en bateau. Donc sur les techniques de pêche verticale, comme les pêches au clonk, avec vif à la main et fireball. Donc voilà, Nico s'est déjà fait atteler là, il y a quelques minutes, par un gros poisson, donc on est assez optimiste. Et donc ça y est, c'est parti, et on attend de voir la suite. Je l'ai vu décoller du fond vite fait. La brème, elle n'a pas fait un pli. Il n'a pas discuté. Montage en fireball sur une grosse brème de 40 cm. Et ça, apparemment, ils en sont friands. Wow. Une belle action quand même, la canne. Ah, la canne, elle est fabuleuse. C'est un truc de fou. Tu lui mets quand même dans la tronche là. Je lui mets comme il faut et on prend rien dans le dos, c'est bon ça. J'essaye de le brider un peu parce qu'on a une péniche, qui est en train de nous foncer dessus. Ah, bravo mon Billy, magnifique fiche, bien maillé, avec une jolie brème, comme quoi gros vif. Et tout se fait, gros poisson. Gros vif, gros poisson. Voilà, superbe Golgotte. Je vais peut-être me mettre au vif. Faudra arrêter les verres. Allez. Allez pépère. C'est reparti. Yes. Alors je viens de faire ce sciure avec un montage qui est très simple. Je vais vous expliquer avec quoi on l'a fait. Donc déjà la canne Fox Rage 4 Pro Vertical, donc 1m90, c'est une canne qui fait 250 grammes, comme vous avez pu voir, qui a une action qui est vraiment hyper sympa. Une tresse simple encore de ligne, une centaine de kilos, entre 80 et 100 kilos. Et enfin, donc pour le montage, un montage maison Fireball avec les hameçons de chez Fox, qui sont très piquants, très efficaces pour pêcher en Fireball. Donc le montage est vraiment très simple. Je fais une boucle sur le corps de ligne qui permet en fait de changer le montage très rapidement si on veut passer d'un gros vif à un petit vif ou passer sur un montage au vert. Donc ça permet en fait de desserrer la boucle ici, d'enlever le montage et de repasser directement sur un autre sans forcément avoir à refaire des montages avec des émerillons et perdre du temps quand il faut aller vite. Un corps de ligne, ensuite le bas de ligne en 100 kg, donc la tresse Fox, le bas de ligne 100 kg. Et toujours pareil avec un système de boucle ici sur lequel on va pouvoir passer, un hameçon triple, très simple. Pareil, toujours un système de boucle pour pouvoir changer les hameçons rapidement s'il faut passer sur un hameçon plus gros, plus petit,
Ça permet de changer d'hameçon sans forcément avoir à refaire le bas de ligne à chaque fois. Et voilà. Donc après, on va simplement passer dans la bouche du poisson cet hameçon. Sur l'hameçon, on mettra un petit stop vif, donc une petite forme de nageoire qui est très souple, mais ça va permettre, en l'enfonçant là-dessus, ça va permettre d'éviter au vif de se décrocher de l'hameçon. Voilà. Et avec l'ardillon, ça empêche le vif de sortir. Et le triple, enfin, planté sur le flanc du poisson, sur le côté, qui va permettre de piquer le sciure qui viendra attaquer le vif. Montage très simple, hyper efficace. Le vif, après, va pouvoir bouger très librement. Et voilà, après, il existe plusieurs grammages de boules en fonction de la taille des vifs qu'on va mettre. Un de plus pendu sur un carassin cette fois. Une belle châtaigne. On va espérer qu'il ne se décroche pas. Qu'ils ont un peu de mal à mordre en ce moment, ils prennent du bout du bec. Ça paraît un peu moins gros que tout à l'heure, mais il est vaillant. Waouh! Wouhou! Ah, on a commencé à avoir des bulles carrément. Oh, il y a des bulles partout. C'est maillé, hein. Il est dedans, le cochon. Roublotte. Et voilà, un de plus au compteur. Un beau bébé du Rhône. Hein. Un beau cochon. Un cochon sale. Même technique que tout à l'heure, fireball. La différence que là, c'était un beau petit carassin. Ils sont beaucoup plus sur les vifs en ce moment que sur les verts. Et voilà, ça paye. On les a cherchés, on les a trouvés. Ça fait 2-3 heures là qu'on fait quelques dérives au même endroit. Donc il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est la dérive. Donc la dérive, elle va être en fonction de quoi? Elle va être en fonction de la vitesse du courant, de la vitesse du vent, de l'axe du vent. Donc si on n'a pas une bonne dérive, on ne pourra pas présenter notre leurre, notre montage, notre poisson, nos verres correctement. Donc il faut vraiment prendre en compte le fait de dériver correctement. Alors, qu'est-ce qu'une bonne dérive? Eh bien, c'est simple, il faut que votre vif, ou vos verres, ou votre leurre, évolue le plus naturellement possible dans le lit de la rivière. Alors, dans le lit de la rivière, ça peut être dans une fosse, dans une longue coulée, sur des bordures. Donc là, on a un petit peu de vent du sud, on a un petit peu de courant, donc on est constamment obligé d'être sur la télécommande pour corriger la dérive et qu'elle soit le plus naturelle possible et la plus efficace possible. Donc là, depuis cet après-midi, on pêche. Billy pêche au vif, au fireball, et moi je pêche au vert. Donc Billy a fait deux jolis poissons. Moi j'ai décroché deux poissons, mais qui ont mal mordu. On peut clairement voir que la pêche au fireball est quand même plus efficace que la pêche au vert en ce moment-là, à ce moment-là. Donc là, je vais changer de technique, je vais me remettre au fireball et on va voir ce qui va se passer. Alors le fireball,
Le principe, c'est tout simple, c'est de promener un vif. Donc ça peut être un carassin d'un kilo cinq, n'importe quel vif de 200 grammes à 2 kilos, comme vous voulez, en fonction du grammage en tête. Alors, le principe, c'est de le promener le plus naturellement possible sur le fond. C'est un petit peu, c'est comme la pêche du cendre en verticale. Il faut toucher le fond, mais dès que vous touchez le fond, il faut remonter un tout petit peu. Il faut suivre les lignes du fond, pour être plus précis. Donc le vif évolue d'une façon naturelle. Bien sûr, avec un plomb de 50 à 150 grammes, voire 200, voire même plus, 250, sur le nez, il aura une nage qui sera bien plus attractive que s'il était en train de se déplacer naturellement sur le fond. Voilà, donc c'est, pour ainsi dire, ça imite un poisson blessé et une proie potentiellement facile à atteindre pour un silure. Alors pour le coup, cette fois-ci, je ne suis plus assis, je suis debout. Pas parce que je ne pourrais pas pêcher assis, parce que je trouve que c'est quand même plus agréable pour, en cas de touche pour ferrer, c'est plus efficace que d'être assis. Alors contrairement à tout à l'heure où l'éco-sondeur était vraiment mon allié et je m'en servais directement en pêche, pour le Fireball, il est d'une utilité secondaire, c'est-à-dire qu'on pourrait s'en passer. Mais là, il nous sert à anticiper un obstacle, un changement de fond, ou même un poisson qui serait posé, qui serait entre deux eaux. Donc là, je peux très bien positionner mon Fireball entre deux eaux pour faire le poisson, tout simplement. On fait une dernière dérive avant de remballer. Je viens souvent là en fin de journée pour voir un petit peu s'il y a du poisson parce qu'on a quelques arrivées d'eau sur les bordures et c'est souvent que sur le coup du soir, les gros poissons viennent chasser un petit peu dans la chute d'eau et on arrive souvent à les retrouver un petit peu rassemblés de ces heures-là à ce niveau-là. Donc un petit passage sans clonc en toute discrétion. Pour voir si on va tomber sur quelque chose et ensuite la journée pourra s'achever ici. Alors voilà, ces 3 heures de dérive s'achèvent. Concluante, hein, c'est pas toi qui vas dire le contraire, Bibi. Ah, ça va. Avec ces deux jolis poissons. C'était pas mal. Donc on va remettre ça demain pour 2 petites heures. Donc après cette bonne après-midi, on va passer une bonne soirée et on vous dit à demain. Salut à tous, alors nous revoilà sur le Rhône par un beau petit matin ensoleillé. Les conditions sont top, on n'a pas un pet de vent, c'est pétole. Donc comme vous pouvez le voir, on porte encore les stigmates de la veille. Hein? Beaucoup de mucus. Donc là on va juste pêcher 2-3 heures, essayer de refaire 2-3 rushs vidéo et par la même occasion essayer de faire un beau poisson. Qui s'est décidé sur, sur un carafin. Pour décrocher ton sillure. En espérant un peu que ça démarre ce matin. Donc on va essayer de le décrocher.
le plus vite possible pour continuer. Toujours pareil, même technique et efficace en ce moment. Fireball, carafin. Apparemment, il n'y a que ça qui veut ce jour-ci. Un petit 1m70. J'ai bien voulu se décider ce matin. Allez copains! Donc là on vient de voir un gros poisson à l'écho qui vient de suivre mon vif. On l'a vu très clairement, mais finalement il ne l'a pas pris. Voilà. Donc poisson intéressé, mais pas mordeur. Pas décidé. Pas mordeur, pas décidé du tout. Il nous a vexé. Il nous a snobé. Il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa. Peut-être lui sera plus sympa. C'en était un encore, mais qui était complètement suspendu en haut. Mais qui n'était pas tout à fait dans mais le champ. Pas tout à fait mordeur encore. Alors c'est ainsi que se termine cette petite partie de pêche en verticale, en dérive, en compagnie de Billy sur le Rhône. Vous avez pu voir quelques poissons de plus de 2 mètres. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Loire pour pêcher en dérive. Il est 8h du matin, les conditions climatiques sont assez favorables pour pêcher au vif. Donc on va faire des petites dérives savantes sur les poissons. Et puis si on n'a pas trop de touches, bah, on pêchera au leurre pour essayer de déclencher des touches, voir si les poissons sont un peu plus agressifs ou pas. Donc là on va aller se placer sur la coulée qui est à peu près 50 mètres derrière. Donc on a une coulée qui fait à peu près 3 mètres de profondeur environ. Et puis sur 200 mètres de longueur. Donc on va essayer de trouver les poissons. Voilà. Sur la première dérive, un premier poisson, c'est pas un monstre. Mais c'est un poisson quand même. Ça n'a rien donné dans 3 mètres d'eau, donc on est descendu dans 1 m50 d'eau et puis sur le plaqué. On fait une belle touche, un poisson d'1m90 à peu près. 1m90, 2 mètres. Donc voilà, là on utilise la canne, la ProSpin. Une puissance de 40 à 160 grammes. Une longueur de 2,70 m. Elle est faite pour pêcher du bord au leurre, mais elle fait très bien l'affaire en dérive, au flotteur, comme vous pouvez le voir. Action parabolique et une grosse réserve de puissance.
Voilà, donc comme c'est un joli poisson, je préfère pas le monter dans le bateau pour le préserver, donc on va le décrocher dans l'eau, on va l'encorder, on va le faire suivre le bateau pour l'encorder. Je préfère encorder le poisson plutôt que le monter. Un petit mousqueton. Façon à préserver le poisson pour pas l'abîmer en le montant dans le bateau. Voilà, comme ça il est plein de vie. Petit avantage, on va dire, d'encorder un poisson. Donc déjà, c'est que ça ne l'abîme pas. Et puis, en allant l'encorder sur la rive, déjà, en le traînant un peu, comme on fait là, ça le réoxygène. Donc voilà, c'est un peu galère. Mais bon, vaut mieux patienter et puis galérer un peu 5 minutes pour encorder le poisson. Que de le monter dans le bateau, de le relâcher, puis souvent les trois quarts des gros silures, on va dire, après un lourd combat, surtout quand il fait très chaud, bah, ils retournent au fond de l'eau, mais souvent ils se mettent sur le dos. Et puis après, ils meurent. Voilà. Et deuxième dérive et deuxième touche. Ça s'est maillé. C'est bon ça. Toujours avec la ProSpin de 70, le moulinet CR600. Bien gras, comme on peut voir, il est piqué vraiment au bord des lèvres, un poisson très méfiant. Dans les dents. Voilà, là c'est la troisième dérive. On n'a pas fait de touche. Bon, on a déjà fait deux poissons en trois dérives, c'est déjà pas mal. Ce que je constatais en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a fait déjà deux combats sur la coulée. Les poissons, ils sont en train de se déplacer. Grâce au sondeur, on a pu remarquer que les poissons s'étaient mis dans beaucoup moins d'eau. Donc on va changer de stratégie, on va baisser un peu le fond et puis on va dériver sur des plaquettes de sable. Donc qui dit Loire dit eau très claire. En période estivale, donc très clair, quand je dis très clair, parfois avec le soleil on voit dans 3-4 mètres d'eau, donc on est obligé de laisser le montage très très loin. C'est pour ça que j'utilise cette canne là pour faire des ferrages comme on peut pêcher parfois à 50, 75, 100 mètres derrière le bateau. Une canne très grande amplifie le ferrage, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est pour ça que j'utilise la canne en 2,70 m. Donc toujours dans le but d'être discret, le montage il se compose d'un fluoro d'environ 2 mètres. Donc ouais, pour être le plus discret possible. Bon bah voilà, hein. Quatrième dérive. J'ai baissé le fond. On a dérivé sur un plaqué,
Et puis la touche a été presque immédiate. Le troisième poisson, environ à peu près 1m70, bien piqué dans les dents. Donc on va lui rendre sa liberté, je vais le décrocher. Donc voilà, troisième poisson qui était piqué vraiment vraiment au bord, comme le précédent d'ailleurs. Donc je pense qu'on va reculer un peu le triple, un peu plus en arrière sur le vif. C'est des poissons qui sont très méfiants comme on peut le voir, ça prend vraiment du bout du bec. Donc voilà, on va ajuster tout ça. Voilà, on a refait une dérive, on n'a rien touché. J'étais prêt à arrêter pour attaquer au leurre. Et on a encore une touche. Ouh, ça va. Donc voilà, un poisson à peu près de 1m80. Un joli combat, il avait la niaque. Donc on va le décrocher. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai reculé un peu mon triple. Et là, c'est un peu mieux engamé déjà. Donc je pense que c'était la bonne option. Voilà. Je vais vous présenter le montage qu'on a utilisé pour pêcher ce matin. Donc c'est un bas de ligne classique, simple, un avançon en tresse suivi d'un fluro. Donc on commence par un triple, 3-0. Donc relié avec un avançon en tresse de 1,2 mm, résistance 100 kg. Donc une longueur, après ça, c'est variable, ça dépend suivant avec les vifs que vous pêchez, si c'est des gros vifs, plutôt des petits vifs. Donc, comme je disais, un triple 3-0, la tresse en 1,2 mm. Après, on fait un petit nœud du pendu, une petite boucle derrière l'anneau de tête du simple pour l'accrocher. Du coup, là, on est sur un simple 9-0, comme on pêche avec des gros vifs. On enroule le fluorocarbone autour de la hampe de l'hameçon simple. Donc fluoro d'1,2 mm, résistance 76 kg. Pour faire un montage propre sur le simple, on rajoute un petit strict tube, c'est de la gaine thermorétractable. Une fois qu'elle est mise, on la chauffe avec un briquet, donc comme ceci. Également sur le triple. Donc là, il est un petit peu usé parce que on a pêché avec. Donc ensuite le fluorocarbone, deux petits stops avec un plomb. Ça fait un plomb déporté en fait. Ça fait on va dire un fireball. Mais déporté parce que c'est pas le top d'avoir un plomb en tête sur des gros vifs. Ça les fait moins bien nager du coup. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un peu déporté. Et ensuite on retrouve notre fluoro. Donc fluoro, on a dit de 2 mètres environ. Au bout du fluoro, on a deux sleeves. Question de sécurité, je préfère en mettre deux. Sur le bout, on crame avec le briquet. Et un petit monocrips. Ça évite d'abîmer le fluorocarbone tout justement par rapport à quand vous venez accrocher votre bas de ligne à l'émerillon. Ferraille contre fluorocarbone, des fois, c'est pas trop bon. Donc du coup, c'est plastique contre émerillon et puis ça le fait très bien. Et du coup pour protéger les deux sleeves, on met une petite gaine thermo rétractable également, que là j'ai enlevé.
Là, je vous la remets, comme ça, ça fait un montage bien propre et bien net. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà le montage qu'on a utilisé ce matin pour pêcher, en dérive. Voilà, la persévérance a payé, hein. Un vent de débile, la pluie, et puis un gros poisson pour nous récompenser. Voilà, un gros marbré de Loire, avec une tête bien grise. Donc grâce au sondeur, j'avais repéré on va dire une dizaine de poissons qui s'étaient écartés de la veine d'eau. Donc avec le temps qui a bien changé, le vent, tout ça, j'ai voulu passer au leurre. Malheureusement, j'ai pas réussi à déclencher de touche. Du coup, j'ai insisté au vif en forçant la dérive, en descendant le courant parce que le vent remonte le courant, donc on n'arrivait pas à dériver. Et finalement, j'ai réussi à déclencher ce gros poisson. Donc voilà, une belle petite matinée de pêche. On totalise 6 touches, 6 poissons. Hein, ça a été, on a été 100% de réussite. On a réussi à faire 2 gros poissons sur la dernière heure de pêche. Ça a été compliqué avec les conditions, beaucoup de vent, de l'eau, mais bon, la persévérance a payé avec 2 gros poissons qui dépassent les 2,35. Donc c'est une belle matinée de pêche. Donc voilà, maintenant on est quand même assez pressé de rentrer à la maison. Se sécher parce qu'on est trempé jusqu'aux os, prendre une petite douche et puis en espérant vous retrouver très bientôt.